Salut les amours, bonjour, bonjour, bonjour. Ou bien bonsoir, ça dépend de l'heure où vous regardez la vidéo. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens parler avant ou bien partager avant un sujet qui est très très important. Depuis que vous êtes haïtien, vous supposez regarder. Surtout si vous avez l'esprit pour vivre à la République dominicaine. Avant de vous plus loin dans la vidéo, je vais profiter de remercier chaque monde qui a abonné déjà à la chaîne et à chaque monde qui a abonné. Regardez en bas la vidéo. Souvent, on tire écriture en rouge qu'on a beaucoup abonné. Beaucoup abonné. Vous seulement cliquer sur la écriture là. Vous cliquer sur la cloche qui est sur le côté. Comme ça, vous ne pouvez pas rater les pièces vidéo que vous postez. Je vais traiter un sujet matin qui dit avantages avec désavantages d'un jeune haïtien qui a vu la République dominicaine. Mais pour éviter que la vidéo soit trop longue, moi, dans la vidéo, je vais parler de désavantages qui gagnent. Puis, dans une autre vidéo, je vais partager avec avantages qui gagnent. Numéro 1. Premier désavantage qui gagne pour un jeune haïtien qui a vu la République dominicaine, c'est le problème de l'église. Pour qui ça? C'est parce que pour sortir d'Haïti pour venir à la République dominicaine, si tu es chrétien depuis Haïti, il faut que tu aies la foi qui ferme pour ne pas retourner derrière ou bien pour ne pas chuter. Pour qui ça? C'est parce que l'image pour gagner plus d'expérience dans l'évangile, pour faire l'évangile à la République dominicaine. Pour qui ça? Si tu as des gens Haïti à parler, on dit l'église, il y a un problème. Il y a un pile de tripotail, il y a un pile de monde qui fait petit groupe dans l'église. Et bien, je vais tout profiter du matin que la République dominicaine est plus mal. Pour qui ça? C'est parce que l'église à la République dominicaine, les gens qui sont là, c'est les gens qui sont de plusieurs côtés ou bien dans plusieurs religions. Ça veut dire, dans une seule église, vous êtes capable de voir les gens qui sont dans l'Adventiste, qui l'esprit est toujours Adventiste, ils sont obligés d'aller là, mais en réalité, ce n'est pas là l'esprit. Vous êtes un catholique, vous êtes un Adventiste, vous êtes un corps de Christ, toutes sortes de religions dans une seule église. C'est l'église ça, choisir les têtes, les pancotis. A toujours un problème parce que gagne un pile monde qui gagne plusieurs croyances là-dedans. Et si c'est dans l'église dominicaine au marché, bon, peut-être qu'on va sentir bien là-dedans où était parce que gagne dominicain, gagne haïtien qui sentit au plus bien dans l'église dominicaine. Mais gagne haïtien tout qui pas senti à l'aise dans l'église dominicaine, surtout si vous parlez l'anglais. Et dans l'église dominicaine, bon, mon prêtre précaution ça m'a dit parce que me parle les péchés. Et l'église dominicaine, même dans l'église, il y a une coutume qui est différente de coutume pas nous. Dans l'église dominicaine, dominicain rempli du Saint-Esprit très très facile. Il y a plusieurs haïtiens qui ont des problèmes avec ça. Parce que dans l'église haïtienne, il faut chanter, 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 chanter avant de nous grand haïtien dire Alléluia. Ça veut dire, il faut vous habituer avant pour sentir à l'aise dans l'église dominicaine. Puis, problème musique, c'est pas tout qui joue musique bien. Deuxième problème, c'est que Dominicain pas fait haïtien confiance. Pour qui ça? Depuis Dominicain, en fait, l'étendue dit haïtien, c'est vaudou le servi. Depuis loin, ou haïtien, il dit ah, ça sont monde qui servi vaudou. Haïtien, gen pile là-dedans yo qui comporte yo mal. Ça cause tout que va faire nous confiance. Puis, devant m'a parler au plus de ça. Troisième problème, c'est côté pour aider si vous n'avez pas de moyens. Si vous n'avez pas de moyens pour aller dans l'hôtel ou bien fermer un caille tout de suite, et il y a difficile pour un pile. Pour qui ça? Haïtien République Dominicaine ne pas voulu recevoir Haïtien la caille encore. Pour qui ça? Premier bagage là, c'est parce que Haïtien par aimer collaborer. Ou quand il y a un monde descend la caille pour un petit temps, l'élevé de travail, il commence à défendre tête, il ne peut pas sortir et il ne peut pas coopérer avant. Ça, c'est une raison qui fait un pile haïtien par un recevoir haïtien la caille. Deuxième, là, fini, tout le monde connaît que vivre avec le monde, c'est un bagage qui est facile du tout. Parce que, ou bon façon, l'autre monde a l'autre façon différente, ça à cause que nous ne pouvons pas vivre ensemble. Nous ne sommes pas même monde et chaque monde a des faux pas, etc. etc. Deuxième raison qui fait ou a des problèmes, c'est parce que actuellement, il y a un pile dominicain qui parle loué haïtien kayo. Pour qui ça? Haïtien même j'en vois maltraité Haïti, c'est comme ça yo maltraité kayo le loué à République dominicaine. Mais c'est pas tout. Quatrième problème ou bien désavantage ou occasion à République dominicaine, c'est problème travail. À République dominicaine, yo pas bay haïtien travail avec passeport. Pour travailler à la République dominicaine, il faut qu'on gagne une résidence. Résidence-là, on va dépenser pour faire environ 50 000 pesos. Il n'y a pas exact, mais il presque ou bien le cas plus tôt.
Y a baoul pour un an et le fini, faut qu'on le renouvelle pour même quantité comme là encore. Et possible pour y baoul encore pour un an. En dans même problème travail ça, gen moun ki pa bon travail, c'est pas parce qu'on pa gen résidence, mais c'est parce que li pa besoin haïtien nan afèl. Cinquième problème ou bien désavantage ou capable jwenn en République Dominicaine si ou viv la, c'est discrimination par bon côté dominicain yo. République Dominicaine, gen an pil dominicain ki raciste parce que yo raciste de naissance, de sang. Yo gen problème raciste, un problème mwen rele ça problème psychologique. Gagne là de tout, yo pas besoin haïtien, c'est pas parce que raciste mais c'est parce que yo connaît haïtien bay problème tout côté le passé. On pas parler d'une manière générale parce que me connaît gagne haïtien qui respecte tête yo, gagne haïtien, gagne pile haïtien qui bon monde, qui respecte tête yo et qui consacre les vivre avec monde. Mais malheureusement, République Dominicaine, moi gagne parfois moi été demandé est-ce que haïtien qui vivre République Dominicaine yo, est-ce que c'est Haïti yo sorti parce que pour façon yo comporté. À République Dominicaine, grand série haïtien qui sorti en province. On pas connait si c'est dans zone côté yo sorti haïtien pas de gain excusez pour moi ladrine. Yo fait métier pour prendre sa chair et puis tirer le sous d'okaï dominicain. Ça, c'est une raison qui fait dominicain pas besoin haïtien côté lié. Il y en a de tout qui baissent dans la rue, qui fait besoin, etc. etc. Et côté qui gagne en pile haïtien, toujours un problème, toujours un gourmet, toujours un juré, toujours sale. Et ça veut dire gagner qui fait li c'est pour raison ça yo gagne pile toujours gagne là dans tout qui préférer acheter deux sacs d'iri mettre dans caillou pour une seule semaine mais qui pas dépenser pour acheter un déodorant. Ça veut dire toute raison ça yo gagne plus toujours bon c'est pas la mabete m'a seulement faut connait qui des avantages ou ka joine si ou vivre à République Dominicaine. M'a parler pour monde qui l'a déjà parce que ça m'a dit monde qui l'a déjà peut-être ka gagne pas connait yo mais sou gagne en tête ou pour venir vivre à République Dominicaine. Sixième désavantage ou cas jeune ou bien problème, c'est honte à cause de l'autre haïtien qui est censé sembler avec point que nous sommes parlé tout à l'heure. À République Dominicaine, haïtien ou comporté vraiment mal, pas tout s'il vous plaît, pas tout. Gagne un parti haïtien qui comporté vraiment mal et ça cause. Parfois nous en tant que haïtiens le nous fait respecter nous nous venons honte parce que ils jugent nous tous dans un seul panier. Septième problème ou bien désavantage ou cas jeune à République Dominicaine c'est décourager avec propre tête. Pour qui ça? Il y a un pile haïtien un pile jeune haïtien qui sorti Haïti qui vient à République Dominicaine avec but pour étudier qui vient pour étudier ou bien qui vient pour travail, pour tourner dans le pays, etc. Mais leur vie à la République Dominicaine, yo pas de travail, kay pou yo rete difficile, bagay yo vin compliqué nan men yo et kay à la République Dominicaine, pas payer chaque 6 mois ou chaque 1 an même genre qu'Haïti, c'est chaque mois. Et avant ba di yo mois arrivé sous sa cause, ou pas à la République Dominicaine pour pas chercher un bagay pour faire. Puis à la République Dominicaine tout coucou clair bonjour ou mettre grand cousine là ou mettre grand cousin là ou mettre grand famille là c'est à fait peur ça va regarder jeune ça là venir pour étudier moyen pas permettre pour continuer étudier parce que pas de sortir Haïti avec moyen jeune garçon yo depuis commencer à mettre un jour travail construction yo commencer ouais à faire ti corps et à dégager bon ça relé l'école là oublié pas besoin du monde là quitter l'école pour le travail ça pas petit rien parce que le seul m'a aller pour payer ca côté rester avec pour manger chaque jour ça avait une cause qui pas jamais ca font économie vraiment pour aller dans université ou bien pour continuer études li Jean t'est venu pour te faire là ça vient une cause le monde ouais l'âge il a pas avancé il gagne 5 ans 10 ans 15 ans en République Dominicaine n'est pas jamais qu'à l'école et c'est pour ça t'est venu il vient arriver dans un point il découragé complètement avec tête ça veut dire l'école là tout bal vague ça veut dire un futur qui prépare à tout bal vague ça vient une cause monde ça futur lui détourné complètement. Septième désavantage non huitième désavantage ou bien problème au cas de la République Dominicaine, bon, moi considérer le comme un désavantage, mais pour peut-être au cas où le comme un avantage, c'est habitude pays République Dominicaine, habitude pays. Dès pour fin habitué vivre à République Dominicaine ou pas vouloir vivre à Haïti encore,
ou pas capable parce que comme t'as dit niveau éducation République dominicaine il y a un petit gaspillage avancé que niveau éducation Haïti Haïti mon âme est professionnelle mais tempérament l'ou pas comprendre du tout mais à République dominicaine pas parce que me dit pas rien dominicain pas éduqué c'est pas ça me dit mais ou niveau éducation il y a un petit gaspillage avancé que Haïti ça veut dire qu'il y a un paquet de façons un paquet de bagages ou gens habitués avec la République dominicaine là aller à Haïti ou pas joindre ou pas qu'à vivre vraiment pas qu'à vivre et neuvième problème bien désavantage ou qu'à joindre à la République dominicaine c'est papier ou bien diplôme Haïti pas utile en rien. Ou quand tu es en prenant un bagage à Haïti, ou quand tu es en fait université ou Haïti, ou une République dominicaine ou tu viens travailler, quel que soit que tu parles avec un papier qui dit que tu tel bagage à Haïti, il pas utile rien pour personne. Même pour même Haïti. Parce que en Haïti, il y a un pays professionnel qui a tout le temps pas de travail. Et pour cette République dominicaine, il y a un papier bail. Puisque étudier République dominicaine, il y a un travail. Ça veut dire même pour Haïti. Dixième et dernier problème ou bien désavantage aux jeunes à République dominicaine, tant que jeunes haïtiens qui vivent là, c'est que Dominicain prend haïtien pour esclave. Majorité de travail qui est dur, c'est haïtien qui fait. Majorité de travail que haïtien pas mettre là-dedans, que Dominicain pas mettre là-dedans, c'est haïtien qui le fait. Par exemple, l'autre jour, ça t'a passé devant. Il y a une dame dominicaine qui t'a retiré un immeuble à Cali pour le mettre dans l'autre côté parce qu'elle t'a mis nouveau. Il dit à chercher de toi ici de toi pour lui. Pourquoi ça ne va pas chercher Dominicain parce qu'il connaît travail ça Dominicain pas fait. À République dominicaine, mon nan met bien tout petit monde est là Cali à regarder télévision, à coucher, à dormir. Li a chache an ti voisin ou bien ti voisin haïtien ou bien haïtienne pou vin lan kolmado ou bien ale nan boutik pou li paske pal li ou baka ale pou l bal 25 goud. E sa fe la pen ke pafwa paran ti moun sa kontan paske voisin ou bien voisin nan bay ti moun nan 25 goud pou lan nan boutik pou li. Tout travay ki dur a Republik Dominikèn se haïtien ki fè yo. E depi yo bezwen fè yo se haïtien yo chache paske konen se selman haïtien kap fè yo. Bon, m'a pas fait plus loin, m'a pas fait vidéo à plus long. M'a conclu vidéo ça dans la prochaine vidéo m'a fait que m'a parler de avantages ou à joindre à République Dominicaine si ou à vivre là en tant que jeune haïtien. Je dis à m'te partager avec vous des avantages, bien que gain plus toujours mais pas bien temps suffisant pour m'te partager tout avant. Pas oublier mettre opinion pour moi dans commentaire, dis-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi si ou à vivre à République Dominicaine samedi, est-ce que vous voyez, est-ce que vous rencontrez avec eux ou bien non? Puis, pas oublier, cliquez sur cette cloche là pour ne pas rater la prochaine vidéo qui va parler de avantages. Et moi, à partir de vidéo, ça l'offre une gadelle. Ou connaissez est-ce que vraiment vous voulez vivre à la République dominicaine ou bien non? Merci parce que vous avez regardé la vidéo. Pas oublier, abonnez, likez, partagez. Merci.